Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Itch pour ce 40e épisode du Let's Play consacré à XCOM Chimera Squad. Je suis Warkfey. Alors, avant toute chose, voilà ce que vous avez loupé dans l'épisode précédent. Voilà, il n'y a plus de nécro et le colosse, il ne va pas tarder à y passer. Ah, je connais cet endroit. Qui veut être ma cible? T'énerve pas. On descend le piton. Enfin, on essaye. Ça, ça fait plaisir, la vigilance comme ça. Il faut qu'on ouvre votre... La vigilance à la XCOM. Blessé n'est pas tué. Cible manquée. La prochaine fois, je vise les endroits fragiles. Oh mais je... Elle tire deux fois sur le corps. Ok. Le prochain, c'est lui. Donc il faut que j'arrive à poser mes gars de manière à l'atteindre. Ouais, sauf que je toucherai personne comme ça. Bon, lui, il aura moins d'armure. Hop, il y en a encore en vision. Non, mais non, mais touchez-le. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai à peine transpercé le blindage. Vas-y, passe et fais-toi tirer dessus par le robot. Non. Démolition, ça, j'aime pas. Ah mais c'est juste pour démolir les... Les couverts. Vas-y, fais-toi tirer dessus. Vas-y, déplace-toi, non? Ok. Esquive. Je me prépare à contourner. Ils ont l'air d'être mauvais. Élimination. Je ah non, d'accord, touché. Lui il est pas mauvais par contre. Génial, je suis à sec. Prête à y aller. Non, toi tu vas y passer. Je mettrais bien une vigilance, mais je peux pas. Voilà, c'est un de moins. Fini pour vous. Je suis toujours en tête. Et il y en a un deuxième en fait. J'avais pas fait gaffe à ça. La prochaine fois, évite de te faire toucher. Le bombardier, va falloir peut-être attendre. En espérant que ça lui dégomme les 3 points de vie. Oh, j'aime pas son arme. Vous pouvez rien contre moi. Bon, ils l'ont raté, tant mieux. Ouais. Je tenterai bien quand même de le foutre au sol. Voilà. Pas votre jour. Parce que s'il fait que 2 de dégâts, je risque de perdre quelqu'un. Liquidation. Je vous connais maintenant. Ah, le médecin, faut qu'elle arrive à soigner tout le monde. Ne laisse pas ta blessure s'infecter. Je soigne qui? Le médecin en premier? Ouais, on va soigner le médecin en premier. Combien de points j'enlève, c'est 5 à 7. C'est l'armure qu'il a. Bon, je lui ai dégagé d'un armure. Ah putain, j'ai plus le robot. Punaise, il avait des trucs pratiques. Vous allez ça va qu'ils sont mauvais. Hein. En route. Torque est survie avec 3 points de vie pour l'instant. Je suis intouchable. Je crois que je les ai placés aux meilleurs endroits en fait les.
les agents. Ça va aller. Je t'ai rien demandé. La prochaine fois, je vise les endroits fragiles. Bah, la prochaine fois, ce sera la bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 non. Oblitération. Ça suffit, imbécile. Il lui reste que 4 points de vie à la doc. C'est vrai qu'ils sont ultra mauvais. Vous pouvez rien contre moi. C'est bon. Putain, mais il résiste, hein, l'enfoiré. J'engage le combat. Laisse la doc tranquille. Putain, c'est pas vrai. On soigne la doc. On élimine le gros, voilà. Et il reste plus que 2 unités. J'espère qu'il n'y a pas une deux. Ah si, il y a une deuxième pièce. Sur deux, mais bon, au moins on a démoli un peu les couverts. C'est nul! Tu visais juste! Mon arme est vide! Ah merde. On va plutôt recharger. Arme rechargée. Comme ça on peut tirer. Voilà! Un au moins, il en reste plus qu'un. C'est bien, je trouve. Donc on a déplacé Torque qui elle se fait descendre. Tu veux que je regarde? Enfin, pas descendre, mais elle se fait. Je vais ramper. Elle se fait un peu laminée quand même. Asperger la cible. Ah bah non, il n'y a pas de pièce derrière. Ok, ouais, détruit. Ouais. Blessure grave, blessure grave. Correct. On a deux gars qui ont des blessures graves. Correct. Ok, ça c'est bon. J'ai des gens à soigner. Je vais soigner Cherub. Voilà. Niveau entraînement, donc voilà, c'est bon. Putain, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il me montre? Oui, bah je sais que c'est en cours. Entraînement terminé, je sais. Évolution de l'anarchie, d'accord. Niveau de l'équipe, on va mettre Axiom. Voilà. Et au niveau de la carte, ça donne quoi? Va falloir qu'on aille là-bas, je pense. Ah non, il n'y a pas de mission pour l'instant. Les seules missions que j'ai, c'est ici et ici. Ok. On va récupérer ça. Qu'est-ce que tu feras quand tu prendras ta retraite? T'achèteras un bateau? Tu me demandes toujours ça. Et toi? Oh, je compte pas prendre ma retraite. Mais si, tu le feras. On ne peut pas faire ce boulot très longtemps. C'est usant. Non, c'est que... je connais les probabilités. Il me reste 5 ans au mieux avant qu'un tir perdu de plasma me grille les poumons. Alors pourquoi continuer? Parce que je suis bonne à rien quand j'arrête. Je comprends. Et mieux que tu crois. Je pense que la prochaine mission que je vais faire, c'est celle-là. Pour avoir la mitrailleuse légendaire. Ouais. On va faire ça. Ok, on va pouvoir reprendre une activité normale. Alors, opération spéciale, il manquait quelqu'un. On va continuer avec l'anarchie. Hein.
Je vais mettre chez le... Ah merde. Il a pas le niveau pour s'en occuper. Voilà. Alors, ensuite, donc il faut que je fasse 8 missions pour avant d'avoir celle-là qui se déclenche. On aurait anarchie là. J'ai pas des petits trucs que je peux faire. Réduire l'agitation dans le quartier. Voilà, plus d'anarchie. Mitraillette. Putain, j'arrive pas. Mitraillette légendaire. Ok. Ça, ça me plaît. Ça, c'est bon. Ça, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ah oui, bah non, justement, les mitraillettes légendaires, c'est ce qu'on est en train de débloquer. Toi, peut-être. Déferlement béni ou sinon flèche impétueuse. C'est quoi la différence? Oh, ça a l'air d'être juste. Bannissement ou assassin. On va mettre. Ouais, on va mettre celle-là, assassin. Ok. C'est les armes de XCOM 1 ça. De XCOM 2, ça. Les armes améliorées. Et toi, t'as pas d'autres armes? Non. Ouais, on va rester. Merde. On va rester avec ces armes là, ça sera très bien. Et c'est parti. L'informateur nous a renseigné. L'arme spéciale est à cet endroit. Ok, bon bah c'est parti. Alors, donc soit on a la porte principale, la première unité à entrer par ce point sera verra son arme désactivée. C'est pas cool. Là, sinon on peut rentrer par là. Ça tombe bien, on a torque. Les ennemis touchés par vos tirs pendant l'infiltration sont étourdis. L'unité jouera tout son tour. Juste après le précédent agent. Ah, d'accord. Et sinon, porte secondaire. Blindage plus 1 durant tout l'affrontement pour la première unité à entrer. Oh, c'est bon ça. La première unité à entrer par ce point sera immobilisée pendant un tour. Blindage. Je vais... Non, on va mettre terminal. Ensuite, on met Axiom et ensuite Virgile. Terminal, parce que je vais beaucoup l'utiliser pour... Sésame, ouvre-toi. Pour, comment dire, pour mettre des zones de vigilance. Vu qu'elle peut tirer sur plusieurs ennemis en même temps, c'est plutôt pratique. Wow. Alors, on a quoi? On a un tueur à gages, on a un légionnaire, on a un cobra au-dessus, un... Une couleuvre, j'ai lu un collecteur. C'est un peu bizarre l'image. Un paladin. Un berserker. Un colosse. Ok, je vais tirer sur le berserker. Bon, enfin, faudra encore que j'arrive à le toucher. Là, tu tires sur qui? Sur les légionnaires. Tueur à gage. Le cobra. La couleuvre. Le légionnaire, je pense. Ouais, ça serait une bonne idée. On élimine le légionnaire. La couleuvre, on va l'éliminer aussi. Je change d'endroit. Je me prépare à contourner. Il y a tellement d'endroits pour se planquer là-dedans. Ok. Alors,
Alors, c'est qui le prochain à jouer? Oh, le Berserk, ça va, il y a le temps de... On a le temps de s'en occuper. Il faut qu'on ouvre votre coquille. Bel effort. Oh, dommage. On me tire dessus, mais c'est mal visé. Alors, ils sont où les ennemis? Il y en a un ici, et sinon tous les autres, ils sont par là. Ah, tu peux pas te déplacer, merde. Donc je vais te... Oh, il y a une sensibilité horrible. Je vais faire un gros cône. Ouais, et je pense que je vais reculer tout le monde. Je change d'endroit. Arme de la cible en joue. Je vais essayer de reculer tout le monde. Le prochain à attaquer... Ah merde, c'est le paladin. Non, le berserker, on va le laisser approcher. Toi, on va... On va te descendre un peu parce que t'es trop près. Et en plus, tu nous fous à découvert. Allez, déplace-toi encore une fois et je te tire dessus. Nickel. Vous allez le regretter. Virgile, je vais le laisser là. Je sais, c'est un peu taré de ma part, mais je vais le laisser là. Ce que je vais faire, c'est faire une folie on devrait les faire danser. Sur le berserker. Comme ça, il se déplace. S'il se déplace encore dans la zone... Voilà. C'est le berserk qui est mort? Non, il a fait 11 de dégâts sur quelqu'un, je sais pas sur qui. On va faire... Une stupeur, on va essayer si on peut toucher. Voilà, c'est le prochain à jouer. Ah, il a éclaté celui qui allait jouer justement après. Ah, c'est bon ça. On est à combien là? Tu es encore à sec. Ouais, je vois pas combien de. Ok. Je vais te faire reculer, toi. Oblitération. Je suis touché, mais je tiens le coup. Cher. Préservation, on va te soigner. Allez. Toi, je vais te remettre quand même en vigilance comme ça. Tu as le berserk qui passe, il se fait tuer, quoi. Je désactive l'arme de la cible. Ah bah il se fera pas tuer du coup. Par contre toi tu passes. Ah putain que un point de dégâts, t'es sérieux? Eh ben on tire une deuxième fois. L'ennemi ne bouge plus. What? Ça va, il a raté. Rater une cible aussi grosse. Arrêtez de vous épuiser pour rien. Toi, tu vas déclencher une petite folie, bah tiens, sur la couleuvre. Si elle peut se barrer, ça serait génial. Non, elle tire. Ok. Bizarre. Et un écorchage mental. Et du coup la couleuvre, elle va y passer. Ah, le berserk aussi. Ah bah en fait les trois. J'ai fait place nette. J'aurais pu faire mieux. Les trois que Virgile avait pris en contrôle. On n'a jamais assez de munitions. C'est bon.
Génial, je suis à sec. Ouais, mais t'as un rechargement gratuit. Prête à y aller. Non, ça c'est pas une bonne idée, je crois que ça explose ce truc. Ah non, ça explose peut-être pas. Tu vas juste garder une vigilance là-dessus. Je suis à sec. Oh, c'était peut-être pas une bonne idée. Il est un peu à découvert le bestiau. Nickel, ça fait plaisir. Axiom, il va s'en prendre plein. C'était ça. Oh, les critiques. Il trouve que tu fais une bonne cible. Votre esprit s'affaiblit. Hop, je le chope. Et je lui balance un écorchage. Ennemi pacifié. On a juste Axiom qui a pris cher, quoi. Après, Virgile, il est quand même descendu à 2 points de vie. Alors, la première unité à entrer par ce point ne pourra pas manquer sa cible, d'accord. Désactivation et à retardement. La dernière unité à entrer par ce point verra son arme désactivée. Ouais, non, je vais plutôt rentrer par là. Et je vais envoyer Torque en premier. Entrez, vite. Torque, c'est celle qui a tendance à rater le plus ses cibles, donc... Ok, donc on a un python. Attends. Un berserk. Un colosse. Le python. Un soldat. Un légionnaire. Une couleuvre. Et un paladin. Donc les deux qui vont nous attaquer, c'est la couleuvre et le légionnaire. Je vais tirer sur le légionnaire en premier. Ah merde. Voilà, plus de légionnaire. Et on réduit la couleur. J'ai repéré la cible. Ah oui, on a tué l'autre. Ah non, il crée des zombies spéciaux. Ah d'accord. Faut qu'on les élimine avant qu'il... Avant que ça devienne le bordel. Du sang sur ma tenue ? Encore ? Concentre-toi. Ouais, c'est pas les zombies qu'il faut que tu vises, hein. C'est le nécromancien. J'ai pu rater ça. Tu rates souvent? Simple curiosité. Je suis fin prêt. Je vais faire le fou, hein. Je vais me foutre là. Comme ça, je l'ai à découvert. Ça va, il joue pas tout de suite. Hop, 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 hop. Reste avec nous. Ça, j'aime pas, par contre. Arme de la cible en joue. Non ! Eh merde. Bon, un petit coup de préservation.
et un petit cône de vigilance. Pas de dégâts à long terme. Ouais, il faut suturer la plaie. Oh, le berserk. Voilà, déjà ça, ça fait plaisir. Une petite folie de combat, je vais essayer de le déclencher. Ouais, le berserk, il est encore dans la zone. L'ennemi vous encercle. C'est mon moment préféré. S'il peut exploser le nécromancien, ça peut être pas mal. Ah non, il va pas exploser le nécromancien. Mais bon, au moins il a éclaté. Il a éclaté un qui pouvait m'emmerder. Le paladin, vous tu vas pas bouger. Voilà, Virgile récupère 2 points de vie. Qu'est-ce qu'il fait le piton? Ah, il tire sur Virgile. Ah non, il attrape Virgile, d'accord. C'était désagréable. Il a encore le contrôle? Ouais, ouais, c'est bon. Voilà, on descend le nécron. Normalement, son dernier spectre disparaît également. C'est grâce à l'entraînement. Au moins, je peux me soigner. Je vais bouger. Il lui reste un point de vie à mon médecin. Mais ça suffit, arrêtez de lui tirer dessus, merde. Je vise l'arme de la cible. Ha ! Vous pouvez rien contre moi. Non, on va faire du soin sur tout le monde. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a Axiom qui est en perte de sang là. J'ai besoin de soins. Meurs pas, hein. Ah, ça j'aime pas ça. Je suis touché, mais je tiens debout. Ouais, c'est bon, il se soigne au moins. Ah, ça sent la mission qu'il va falloir que je recommence. Voilà, déjà, toi ça dégage. Bien joué. Liquidation. Ils sont tous un petit peu trop dangereux là. Prochain tour, faut qu'elle descende. Je désactive l'arme de la cible. Ah mais non, je fais une arme. Mon arme est vide. Là, il va falloir. T'as une... Ouais, rechargement gratuit, ça, donc. Préservation sur toi-même. Voilà. Ensuite, rechargement gratuit. Arme rechargée. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.